Si vous ne savez pas faire la différence entre les coccyx et les levures, c'est le bon moment de regarder cette vidéo. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez dit de mettre une différence microscopique entre les levures et les bactéries, ça tombe très bien. C'est-à-dire que les levures, surtout les levures et les coccyx, vous allez regarder cette vidéo-là, regarder l'image microscopique. Comment se présente? C'est vrai, parmi les levures aussi, on a les syphroïdes qui se dessinent dans les levures. Et c'est certains coccyx aussi qui sont en forme de 8, surtout c'est le cas du pneumocoque. Mais vous allez voir dans ces microscopes-là que les levures et les coccyx, ça ne se compare pas. Les levures sont plus volumineuses par rapport aux coccyx. On va d'abord commencer d'abord par vous montrer comment se présente. Les levures. On a déjà fait des frottis colorés au gramme des levures et des coccyx. On va commencer d'abord par faire la mise au point de la lame des levures. Maintenant, regardons dans ce champ microscopique comment se présentent les levures. Vous avez vu comment se présentent les levures. On va un peu essayer de zoomer. Vous voyez? Les levures sont très gros. Vous voyez la forme des 8 aussi des levures. Certaines sont isolées. D'accord? On va passer dans d'autres champs aussi, vous montrer comment ces levures-là, quand ils sont en amas. Vous voyez? C'est très volumineux. Quand ils sont isolés, ils ressemblent aux formes des citrons. Ils ont aussi la forme des 8. Dans ce champ-là aussi, regardez, il y a la forme des 8. Il y a des levures qui sont en 3-3, vous voyez, en courte chaînette, d'autres sont isolés. Quand ils sont isolés, ils ont la forme des citrons, vous voyez. On va vous montrer encore quand ils sont en amas. Vous voyez, ce sont des levures en amas, vous voyez comment ils sont. Maintenant, on va passer maintenant au coccyx. Comment les coccyx se présentent, vous voyez. On va passer maintenant à la lame des coccyx. Voilà. On va passer à la lame des coccyx maintenant. Comment se présentent les coccyx au microscope? Voilà, venez regarder ici, on va voir ensemble comment se présentent les coccyx. Vous voyez, regardez très bien. Vous voyez que les levures sont plus gros par rapport à ces coccyx-là. Vous voyez, les coccyx-là aussi, qui peuvent se regrouper en DD comme ça, qui peuvent être en amas, souvent isolés. Maintenant, vous comprenez que les levures-là sont plus gros par rapport aux coccyx. Vous voyez? On va partir, on va changer de champ pour vous montrer encore comment se présentent les coccyx. Voilà, regardez dans ce champ microscopique là aussi. Regardez lorsque les coccyx sont en amas. Vous le voyez? Ils sont DD, souvent en forme de tétrate, et souvent en forme de diplo. À ne pas comparaître par rapport aux levures, comme vous avez vu dans les images précédentes. Voilà, vous avez vu les caractéristiques des coccyx par rapport aux levures. De façon au microscope, comment ces deux éléments-là se présentent. Les levures sont plus volumineux par rapport aux coccyx. Maintenant, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie.